tarnished warrior. Graceless, tarnished. None shall take the throne. Emboldened by the flame of ambition. Thy strength befits a crown. What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui les gars, je vais vous présenter mon tout nouveau build mêlant la force et le saignement en utilisant la lame double la plus puissante du jeu, aka la lame double de gargouille. Comme vous avez pu le constater dans l'intro, cette arme inflige une tonne de dégâts, surtout si elle est utilisée avec un bon processus de buff et une cendre de guerre puissante. Le but principal de cette vidéo est de vous montrer l'efficacité de la lame double combinée à la cendre de guerre, lame rocheuse, et en bonus, je vous présente un processus de buff à mettre en place pour augmenter considérablement vos dégâts et de vous débarrasser des boss le plus rapidement possible. Il y aura certains boss qui seront positionnés assez loin dans certaines arènes de combat, ce qui signifie que vous devrez savoir quand utiliser tel buff au bon moment pour qu'il reste actif durant le combat. Pour obtenir la lame double de gargouille, vous devez tout d'abord commencer la quête de Rani et vous rendre à Nokron. Ensuite, vous devrez vous diriger vers les profondeurs de fond de racine pour également terminer la quête de Fia. Juste avant de vous rendre dans les profondeurs, vous devrez affronter deux gargouilles et l'une d'entre elles vous donnera la lame double. Si vous êtes en début de partie, vous pourrez utiliser la lame double tout au long du milieu et de la fin du jeu. Pour obtenir la lame rocheuse, vous devez vous rendre à Kaelid, à la grâce viaduc infranchissable. Cette cendre de guerre permet de renforcer votre arme avec de la terre pour infliger 15% de dégâts supplémentaires. Pour obtenir l'étendard du commandant, il faudra aussi se rendre à Kaelid au niveau de l'intérieur de l'ivoine et affronter le commandant pour obtenir son arme. En utilisant sa cendre de guerre, vous bénéficierez d'un buff offensif qui augmentera vos dégâts de 20% durant 30 secondes. Maintenant passons au skin. La couronne fongique vous confère un bonus de 10% de dégâts supplémentaires pendant 20 secondes lorsque vous déclenchez le poison. Pour obtenir cette couronne, vous devez poursuivre la quête de Rani jusqu'à atteindre le lac putréfié. Je vous conseille ensuite de vous rendre à la prochaine grâce suivante, qui s'appelle Grand Cloître, puis de faire marche arrière et de vous diriger vers l'est pour atteindre une ruine. Je vous montre ça. Pour obtenir le costume de voyage de noble, vous devez vous rendre au plateau Altus, plus précisément vers le pâturage oriental. Vous y trouverez le costume sur un cadavre. Il est important de noter que cette armure est purement esthétique et n'a aucun impact sur les dégâts infligés. Elle est destinée à des fins de personnalisation et de style. Maintenant, passons aux talismans qui sont d'une importance capitale pour ce build. Pour récupérer l'exultation des adeptes de la putréfaction, qui confère un bonus de 20% de dégâts supplémentaires lorsque vous êtes empoisonné. Vous devez vous rendre au Mont Gelmir, dans les cavernes aux eaux ignées. Vous devez affronter le boss de la zone pour obtenir le talisman.
Pour récupérer le talisman de l'épée rituelle qui confère un bonus de 10% de dégâts supplémentaires à chaque attaque lorsque vos points de vie sont au maximum, vous devrez vous rendre au plateau Altus, plus précisément aux ruines de Lux. Vous devez affronter Jilika, la reine semi-humaine. Pour obtenir le talisman de la hache qui améliore de 10% les attaques chargées, vous devez vous rendre dans le Nécrolymphe, plus précisément à la bâtisse abandonnée des bois brumeux. Ce talisman peut être récupéré à cet endroit. Lorsque vous l'aurez en votre possession, il augmentera l'efficacité de vos attaques chargées. Le deuxième talisman crucial pour ce build est l'exultation du Seigneur du Sang. Il vous permettra d'infliger 20% de dégâts supplémentaires lorsque vous infligez des saignements à proximité sur vos ennemis. Pour obtenir ce talisman, vous devez vous rendre dans les catacombes de Leyndell, plus précisément dans la prison des Parias. Vous devez affronter le boss Esgar, le prêtre du sang. Pour obtenir l'alarme fissurée à aiguillon de pierre, qui augmente les chances de briser plus facilement la posture des ennemis, vous devez vous rendre à l'arbre monde mineur qui se trouve dans le nord-est de Kaelid. Une fois arrivé à l'arbre, vous devez affronter l'avatar putride. Et enfin, le dernier item, l'alarme fissurée épineuse qui augmente progressivement la puissance des attaques successives. Vous devez vous rendre à l'arbre monde mineur des champs enneigés consacrés, situé au niveau de la cime des géants, et affronter l'avatar putride. Maintenant, passons au processus de buff. Ce que vous faites, vous démarrez toujours avec votre fiole miraculeuse. Ensuite, on boit un arôme bouillissant. On prend l'étendard du commandant. Avec la double lame, on met la cendre de guerre. On proque le poison. On se soigne. Et on envoie. Et maintenant, parlons de mes statistiques avant de vous montrer un showcase de boss. Concernant la vigueur, je n'ai pas augmenté cette stat pour une simple et bonne raison. L'objectif de ce build est de terminer le plus rapidement possible et éventuellement même sans subir de dégâts. Cependant, cela n'est pas l'objet de la vidéo. En endurance, j'ai choisi une valeur de 33 pour cette stat car elle me semble suffisante pour ce build. Elle garantit une endurance adéquate afin de supporter le poids de mon équipement sans trop m'alourdir. Concernant la force, qui est ma principale stat de dégâts, j'ai mis cette statistique à 80 pour une raison spécifique, atteindre le dernier soft cap pour l'échelle de dégâts physiques basée sur la force de mes armes. Pour la dextérité, j'ai choisi de fixer la valeur à 40 afin d'équilibrer un peu mon build, étant donné que mon arme bénéficie également d'une seconde échelle de dégâts basée sur la dextérité. Et pour terminer avec l'ésotérisme, que j'ai mis aussi à 40 pour atteindre le premier soft cap majeur qui me permettra d'augmenter significativement les chances de provoquer du saignement sur les ennemis. Si vous voulez reproduire ce build, n'oubliez pas de mettre l'affinité 100 sur votre arme.
Thy strength befits a crown. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de lâcher un like. C'était Motive Mano Gaming dans Elden Ring, le mode facile. Je vous dis à très bientôt. Ciao!